Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacha. Donc on va commencer le tirage. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Voilà. Pour les mails, je vais répondre. Je répondrai dans la journée parce que hier soir j'ai pas eu le temps. Sinon, je voulais vous parler d'un ange. Alors ça va peut-être vous parler. C'est l'ange Chamuel. Je crois que ça doit être le 29e ange, mais bon, il faudra vérifier. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait cet ange, en fait, il est pas tellement reconnu en fait dans la religion catholique, qu'on le voit surtout en fait dans la religion juive. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Chamuel, ça veut dire la racine, ça veut dire la rage. Et c'est assez intéressant parce que c'est la rage et en même temps c'est le soleil. Et on va dire que quelque part, il a un petit peu les mêmes vibrations que Uriel. Et Uriel, je vous dis, c'est l'épée flamboyante, c'est l'épée qui tranche. Donc on n'est pas tellement dans la paix du Christ, hein, puisque Chamuel, en fait, c'est un ange aussi. Je vous dis, c'est la rage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est avec l'ange Michael, en fait, ils vont en guerre. Vous voyez, c'est ce que les textes kabbalistiques nous disent. Alors pourquoi je vous parle de l'ange Chamuel aujourd'hui? Évidemment parce que c'est une énergie, hein, voilà, c'est la cabale des anges. Hein. Et surtout, c'est parce qu'hier, en fait, on a eu le soleil. Je crois qu'on l'a eu chez les masculins et je crois même qu'on l'a eu chez les féminines aussi. Mais je suis plus très sûre chez les féminines parce que j'avais tiré trop de cartes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... vu qu'on était dans le fou et qu'on était dans l'assimilation, on va dire, des choses pour les digérer, évidemment, pour digérer aussi une expérience du passé, ce que je peux dire, c'est que y a des personnes qui sont dans la rage, qui sont dans la rage, peut-être au sortir du mental. Voilà, donc Eckhart Tolle, ce qui est marrant, nous dit que finalement Dieu s'est trompé, il nous a mis un mental, mais en fait il s'est trompé. Ben non, il ne s'est pas trompé parce que, on va dire, sans obscurité, sans sa mèche, sans le diable, il n'y aurait pas de lumière. Enfin, je veux dire, tout ça est très quantique. Voilà, mais bon, il faut un petit peu se renseigner. Et donc, en fait, ce que je voulais dire aussi par rapport à l'ange Chamuel, c'est que, étant donné qu'il est toujours associé à l'ange Michael, qui est quand même un ange, je veux dire, tranchant, hein, on va trancher dans les illusions, on va trancher dans le mental, on va trancher dans les choses qui ne nous servent plus, vous voyez. Donc, tout ça est en résonance. Ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui actuellement sont en train de prendre des décisions qui sont tranchantes, hein, des décisions sur lesquelles, en fait, on ne reviendra plus. Voilà. Donc, je vous dis ça parce que il y a des choses qui me viennent. Et justement, à travers, justement, les énergies de la cabale, vous voyez, donc... des énergies des anges. Et c'est pour ça aussi que dans la religion catholique, vous voyez, quand on parle de guerre, évidemment de guerre contre l'obscurité, parce que évidemment vous avez compris que quand on souffre autant, et bien évidemment c'est une guerre. Voilà, même si en fait elle n'existe pas dans la réalité, encore que voilà, bon, il y a des vu que tout ce qui est à l'intérieur de nous est aussi à l'extérieur. Eh bien, en fait, ça va... ce que je veux dire, c'est que là, en fait, il y a comme un... Il y a des personnes, en tout cas, qui vont trancher. Et puis, par rapport justement à la religion catholique, parce que l'ange Uriel, bon, on le voit pas beaucoup. Et l'ange Chamuel, c'est pareil. Hein, c'est parce qu'en fait, ce sont des anges qui sont des anges de guerre. Voilà. Et effectivement, vu que dans la religion catholique, on a coupé une grosse partie, en fait, on va dire, de la, ben, voilà, de la racine qui est judéo-chrétienne, donc qui est juive, voilà, on a coupé la loi du talion, voilà, enfin bon, bref, on a pris que le côté un peu angélique, vous voyez, mais le côté un peu, voilà, c'est très cherubino. Bon, je vais arrêter de trier mes cartes.
Voilà, donc c'était pour vous dire ça parce que je pense que c'est voilà, c'est important. Donc là, on est avec les masculins, donc dans le silence des agneaux pour aujourd'hui. Donc c'est un 4 de coupe, donc ce sont des personnes qui restent dans le silence. Voilà, c'est des personnes qui sont, on va dire, dans la terre, qui sont dans l'ancrage, qui sont dans la solidité. Bon, le silence des agneaux aussi, c'est la déprime, c'est la lassitude, c'est la fuite. On est toujours dans une forme de rigidité, même si on veut aller vers un certain ancrage. On est aussi sur de l'entêtement, donc en fait, peut-être que par rapport à prendre une décision, il y a des masculins en fait qui préfèrent se rendre malades. Et donc le 4, évidemment, c'est d'Alette. Donc on est vraiment sur une porte par rapport aux émotions, en tout cas. Et 4, évidemment, sous le 4 de la coupe, on a aussi des personnes qui sont en train de traverser, on va dire, voilà, de couper en tout cas avec leur passé, pour aller vers quelque chose de plus constructif et de plus réaliste. Voilà, de quelque chose qui est en tout cas beaucoup plus fiable. Et en contre, j'ai Flashdance. Donc ça correspond en fait, bien, on va dire, par rapport au masculin, des féminines qui sont un peu comme l'héroïne de ce film, Flashdance. Je sais que ça fait réagir pas mal de féminines, ce film. Donc voilà, donc là on va dire que pour le moment l'énergie d'aujourd'hui c'est qu'en tout cas par rapport à des choses qu'il faut visiblement rompre, avec lesquelles il faut rompre en fait, vous êtes dans le silence les masculins. Donc là on a Barry Lyndon, très beau film que je vous recommande. Donc en fait ce sont des masculins qui sont dans le manque d'argent, on est sur un set on est sur un set de deniers, hein, on est sur donc en fait on est sur de la solitude, on est sur de l'enlisement, c'est un set de deniers évidemment à l'envers, on est sur un refus d'écouter, on est sur des soucis par rapport à des déplacements, et en contre j'ai le kid évidemment, et eh bien c'est par rapport en tout cas à des petits gains, à des résultats très modestes, en tout cas dans votre vie, les masculins, ça concerne l'argent. Ça concerne peut-être aussi la banqueroute, hein, parce que Barry Lyndon, c'est aussi de la banqueroute. Voilà, et donc en fait, en contre, on a Charlot avec le kid, et ça concerne toujours des déplacements, ça concerne toujours en fait, ça concerne quelqu'un, une conquête affective. Avec lequel en fait il y a eu des petits gains, des petits résultats modestes, ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un que vous avez voilà, vous avez vu, mais de façon assez éparse, on va dire. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que en fait avec le kid, alors il y a peut-être des gens, c'est par rapport à leurs enfants aussi. Avec le kid, avec peut-être des personnes plus jeunes que vous autour de vous, ou par rapport en fait à un nouvel événement qui va vous apporter en fait des petits gains par rapport à une nouvelle situation. Et bien, enfin, ce que je sens, c'est des histoires en fait. Il y a des gens qui prennent des décisions et il y a des gens en fait qui se retrouvent en fait sur un port, voyez. Mais ils restent sur le port, ils prennent pas le bateau. Et moi, ce que je sens, c'est ça, c'est de la stagnation, de l'enlisement, des dettes. Il y a des personnes en fait qui sont vraiment, comme on a vu, dans l'entêtement et la maladie. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter, donc en fait on est sur un set de deniers inversé, donc en fait vous bloquez en fait les masculins votre abondance, parce que le 7 on est dans Zaïn, la lettre hébraïque, et on est aussi dans les chariots. Donc soit vous êtes en pleine dispersion, soit en fait vous n'avancez pas, soit en fait vous avez eu, on va dire, des résultats tellement modestes que vous en êtes déprimé. Enfin en tout cas, il y a des choses avec l'argent et avec l'ancrage, avec la maladie.
Et donc vous étiez beaucoup dans le dans l'effort et dans le progrès. Et mais là en fait, vous êtes beaucoup en retrait et voilà. Et donc c'est et ça concerne peut-être aussi peut-être des enfants. Donc là on est sur Pretty Woman. Alors Pretty Woman, évidemment, eh bien vous êtes dans la solitude et dans le silence des agneaux. Parce que il y a une Pretty Woman dans le paysage. Voilà, alors Pretty Woman, évidemment, c'est l'avidité, la matérialité, les dépenses. Hein. C'est les dépenses inconditionnelles, voyez, c'est pas l'amour inconditionnel. C'est une personne qui est dans l'envie. C'est un, donc là, on est sur un 6 de denier. Voilà, c'est une personne qui conditionne ses relations sentimentales sur des conditions financières. Et aussi, voilà, y a une histoire de dépendance aussi par rapport en fait à l'argent, de dépendance aussi par rapport à un manque d'argent aussi. Donc en fait, il y a une personne qui est très dépendante, on va dire, puisque en fait en contre, j'ai donne-moi ta main. Donc il y a des masculins qui sont très dépendants de certaines féminines. Et c'est sur des histoires, en fait, c'est aussi des féminines qui peuvent vous apporter, voilà, de la générosité. Ou... En fait, aujourd'hui, il y a un malaise. Le silence des agneaux, on sent qu'on est sur de la psychiatrie, il y a un gros malaise, il y a une grosse déprime, il y a une grosse lassitude. Il y a quelqu'un qui est en train de fuir une situation ou qui a pris une décision. Et on est dans les blocages, en tout cas au niveau de ce, au niveau du cœur. C'est un quête de coupe à l'envers. Parce que, voilà. Et Pretty Woman, c'est pareil. On est, on va dire, sur des histoires de manque affectif, de manque d'argent, sur des dépendances aussi. Le 6, on est sur des dépendances affectives. Voilà, bah 6 et 7, 13. Donc on est bien sur quelqu'un qui est en train de couper en fait une situation. Mais vu qu'on est dans, on est sur le silence des agneaux, c'est une personne en fait qui ne le dit pas, ou en tout cas qui reste dans le silence par rapport à ça. Bon, je vous dis, Barry Lyndon, c'est quand même la banqueroute. Hein. C'est quand même genre, il se passe un truc et en fait, on voulait surtout pas que ça arrive. Et donc, en fait, on est complètement bloqué. Et c'est des personnes aussi qui veulent se déplacer, mais qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Et donc là, en fait, on est sur la balance. Donc, on est sur un 8 de bâton. Donc la balance, eh bien, c'est une personne qui est intransigeante, une personne qui n'accepte pas de pardonner ou de se pardonner. Voilà, c'est une personne qui a accumulé beaucoup de karma négatif par rapport peut-être aussi à des histoires de justice hein, ou par rapport, on va dire, à une banqueroute, à de l'argent qui manque terriblement, puisqu'en fait le 8 c'est Saturne, et donc on est bien sur l'épuration, de la matérialité aussi. Et donc en tout cas vous êtes dans la destruction et le déséquilibre. Et en contre j'ai le double, l'hermaphrodite. Donc en fait c'est peut-être aussi par rapport à des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Et donc en fait on vous dit que là la balance, donc là il y a quelqu'un qui tranche, il y a un verdict. Il y a un verdict sur en fait une relation qui était basée peut-être sur une forme de matérialité ou sur une forme de dépendance affective avec Pretty Woman. Et en tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui, un homme est dans la solitude et dans le silence, parce que là, en fait, on est totalement dans l'enlisement par rapport, en tout cas, à une situation de justice, à une situation aussi de retour de karma négatif. C'est par rapport aussi peut-être à un verdict, c'est par rapport aussi à une un choix qui a été fait précédemment concernant votre double, hein, puisque voilà le double, l'hermaphrodite, voyez, on est sur le féminin masculin.
je vous dis, le 8 de bâton, c'est par rapport à une situation où, on va dire, une personne a peut-être mal communiqué. Et en tout cas, c'est une situation de transformation karmique. Et ça concerne un retour de flamme aussi. Voilà. Et donc, par rapport à ça, on va dire, des masculins sont dans l'intransigeance. Alors, on va continuer avec mon autre oracle. Donc, eh bien, messieurs, aujourd'hui, c'est la déprime et la lassitude. Parce que quelqu'un est en train de fuir. Voilà. Voilà. Vous avez des soucis de déplacement. Bah, écoutez. Alors. Donc, j'espère que les féminines ont apprécié ma petite vidéo d'hier, qui est assez longue d'ailleurs. Alors. Voilà, alors là, on a donc un valet de denier. Donc voilà, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, mais qui arrive avec, avec sa bourse. Le mort décide d'aller trouver sa mère. Donc là, on est sur une personne qui a les yeux bandés. Il y a une personne qui ne veut pas voir les choses. C'est quelqu'un, en tout cas, qui ne reçoit aucune réponse. Voilà, ça concerne un dernier adieu et ça concerne des épreuves. Et en contre, nous avons l'avènement d'une nouvelle ère, évidemment. Donc, on a bien compris qu'il y a quelqu'un qui est en train de trancher dans une situation. Voilà, vous avez coché toutes les cases. Et puis, eh bien, vous êtes décidé que, voilà, il était temps de prendre une décision qui est assez visiblement radicale. Voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être parlé de l'ange Samuel par rapport à ça. Voilà, et donc en tout cas, c'est une personne qui, par rapport, on va dire, peut-être à un dernier adieu, ne va pas communiquer, hein, puisque c'est assez clair. On est sur un 8 de bâton inversé. Donc en fait, voilà, c'est quelqu'un qui est complètement dans le silence. Voilà, et donc en tout cas après, les masculins, eh bien... Vous allez aller, si vous arrivez à... Bon, le mort décide de trouver sa mère, c'est des histoires, on va dire, méditerranéennes. Et c'est par rapport aussi, peut-être à du transgénérationnel, il y a des choses que vous ne savez pas faire parce que, en fait, vous avez peut-être eu des relations, on va dire, avec votre mère délicate, notamment des modes de fonctionnement... qui vous ont bloqué et sur de la communication notamment. Voilà, parce que c'est ça, ce livre, Le mort décide d'aller voir sa mère, d'aller trouver sa mère. Il y a aussi quelqu'un qui a envie de venir voir une féminine qui prend pour sa mère, voyez. Donc là, on est sur Faust, voilà, comme hier. Donc évidemment, bah écoutez, c'est le Joker, hein, le diable apparaît, hein, et puis, et en tout cas, avec Barry Lyndon, eh bien, on vous a fait signer des choses, les masculins, et c'est la banqueroute, hein, voilà. En tout cas, vous êtes dans la disette, dans le manque d'argent, vous êtes évidemment dans la disette aussi affective, dans la disette sexuelle, et vous repensez aussi à une personne, 6 de denier, évidemment, c'est... Je vous dis, c'est par rapport à des dépendances, on va dire, des dépendances affectives, mais aussi par rapport à de l'argent. Et donc là, en fait, par rapport à une pretty woman, donc par rapport à une personne, on va dire, pour laquelle les masculins sont dépendants, hein, voilà, parce que c'est ça cette carte aussi. Il y a une condition financière dans les relations amoureuses, et en même temps c'est du soutien, donc en fait on est bien dans sa mèche. Et donc en tout cas, pour un masculin, ça va être un dernier champ du signe. Alors je voudrais dire que, évidemment, en contre, j'ai Pélias et Mélissande comme hier, et donc en contre, évidemment, j'ai les âmes sœurs. J'ai encore des guêpes, j'en ai marre. J'ai les âmes sœurs, évidemment, hein, que vous avez découvert hier. Donc c'est normal, les énergies se suivent, hein, logique, hein, puisque les jours se suivent.
Donc là, en fait, on est avec un masculin, on est avec un 3 de denier, donc sur un partenariat financier. Excusez-moi, là, je danse, c'est la danse de Saint-Guy. Attendez. Voilà, je pense qu'elle est partie, je pense qu'elle a eu très peur. Donc là, en fait, on va dire sur un partenariat financier, eh bien, ça va être le dernier champ du signe d'un masculin. Et donc voilà, parce que là, j'ai les comptes d'Hoffmann à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui, par rapport à une femme, une pretty woman, c'est un homme qui est dans le regret aussi. Et donc, en tout cas, peut-être qu'une pretty woman lui propose un nouveau contrat ou... Voilà. Et donc on peut dire que, on va dire, cet homme, ce masculin, ces masculins sont assez farfelus. Ils ont un peu l'âme tortillée. Alors on dit les oiseaux dans la charmille, hein, puisque évidemment c'est les contes d'Hoffmann. Et en tout cas pour un masculin, on va dire ce partenariat peut-être à la fois financier et sentimental sera, c'est le dernier champ du signe. Hein, voilà. Et on peut dire aussi, le champ du signe, c'est aussi peut-être par rapport à quelqu'un qui tranche aussi par rapport à cette situation-là. Voilà, parce qu'en contre, on a quand même « Donne-moi ta main ». Donc, voilà, il y a des choses qui vont peut-être finir aussi pour certains et certaines, comme, on va dire, « Pretty Woman », puisqu'à la fin, en fait, je ne me souviens plus exactement à la fin comment ça se passe, mais... En fait, les gens sont en train de se transformer, en tout cas, par rapport à une relation. Et donc, en fait, on a bien 6 et 3, on est bien dans 9, donc on est bien dans l'ermite. Donc, on est bien sur des masculins qui sont absolument dans l'introspection. Par rapport à, en fait, là, aujourd'hui, c'est toujours les âmes sœurs. Et par rapport, en tout cas, à un pacte. Un pacte avec le diable. Donc en fait, il y a peut-être des masculins qui vont proposer, on va dire, suite, on va dire, à de la solitude, un pacte avec le diable, avec évidemment quelqu'un pour lequel ils ont beaucoup d'attraction, hein, puisque c'est une créature satanique, et en tout cas, c'est une personne qui va vous apporter une nouvelle jeunesse, ou qui vous apporte une nouvelle jeunesse. On est sur, je vous dis, on est sur le 6 et sur le 3, donc en fait, on est sur l'ermite. Donc c'est probablement quelqu'un que vous connaissez. Alors il faut se méfier dans les interprétations parce que c'est peut-être des personnes en fait qui ont des modes de représentation sur certaines féminines qui sont leur âme sœur, clairement, mais qu'en fait ce sont des personnes qui, du fait qu'ils sont dans la dépendance affective ou dans la dépendance, on va dire, liée à des relations d'argent ou à des pactes, on va dire, entre guillemets, de diable, ça c'est des représentations catholiques. Par rapport justement, c'est des représentations en fait de notre culture et donc ce que l'on peut projeter aussi dans les cartes par rapport à certaines âmes sœurs et par rapport notamment à je veux dire des pretty women, en fait n'est en fait le résultat que de la projection de certains masculins par rapport à des féminines sur, on va dire, des modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement hyper contrôlants ou de dépendance affective. Voilà, je préfère quand même... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le capte. Donc là, en fait, on est sur l'exorciste. Donc c'est un 4, c'est un 4 d'épée. Donc on est vraiment dans le mental du masculin avec la balance. Donc en fait, c'est par rapport à un double, par rapport au double, hein, donc par rapport à des âmes sœurs. Donc en fait, c'est un homme en tout cas qui est en train de faire la balance de son karma négatif, d'un verdict ou d'une situation, on va dire, qui s'est passée avec une âme sœur, hein, avec un double ou avec... voilà, j'ai le double et l'hermaphrodite, ça parlera à certaines personnes. C'est un homme en tout cas qui a été visiblement trop rigoureux. C'est une question de fatalité et de destin. Donc voilà, il y a une signature aussi de pacte légal qui s'était fait, on va dire, dans le passé. Et là, en tout cas, par rapport à ça, par rapport au 8, on est en pleine transformation. Et avec l'exorciste, carte numéro 4, donc 8 et 4, on est bien 12. Donc en fait, on est bien dans de l'introspection comme à côté avec l'ermite. Et donc en fait, on est sur des masculins. Qui sont en train de... voilà, on est dans le pendu, hein, messieurs. Vous êtes dans le silence, hein, le silence des agneaux. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, vous faites un malaise, vous êtes dans la fatigue, ou vous avez appris une très mauvaise surprise.
Voilà, c'était peut-être la lettre agréable d'hier. Et donc, en fait, votre intuition, en tout cas, vous révèle beaucoup de choses, et notamment un coup de foudre. Alors, voilà, alors c'est l'exorcisme, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de sortir des représentations que l'on se faisait peut-être sur une féminine, hein, sur une femme. Voilà, vous la preniez peut-être pour tout simplement une pute. Hein, voilà, puisque Pretty Woman, à la base, c'est quand même une pute. Et là, en fait, on est sur un rééquilibrage, on va dire, à la fois karmique et à la fois mental. Et donc là, on est en train de sortir d'un espèce une espèce de structure mentale, une espèce d'imagerie qu'on s'était faite sur certaines féminines. Et là, c'est par rapport aussi à une espèce c'est un espèce de contrat. Alors, puisqu'on est sur des âmes sœurs, c'est normal, c'est un contrat. Voilà, il y a des contrats d'âme aussi, mais c'est un contrat, on va dire, sur de la matérialité avec le 3 de denier. Et là, en fait, c'est par rapport à des situations du passé où, en fait, les choses ne se sont pas, on va dire, bien organisées. Voilà, parce que j'ai quand même l'âme torturée et barbe bleue. Hein, voilà, je vous répète qui est barbe bleue. Et là, en fait, là, on va dire que c'est peut-être le dernier champ du cygne, en tout cas, pour un homme par rapport à une relation sentimentale. Et là, on a quatre de coupe et on a quatre d'épée. On a le silence des agneaux et l'exorciste. Donc, on est bien sur des relations, on va dire, karmiques, des relations où les choses sont en train de se transformer. C'est quelqu'un aussi qui peut revisiter, c'est un homme qui peut revisiter, en fait, les relations qu'il avait aussi avec sa mère ou les projections qu'il faisait sur les femmes par rapport à sa mère. Voilà. Et donc, on va aller en tout cas vers l'avènement d'une ère nouvelle avec ça. Et en dessous, en fait, c'est intéressant chez les outsiders. Donc là, il y a des féminines en fait qui vont jouer par rapport à un homme, à un masculin. Regardez cette carte, elle est chouette, j'aime bien. Voilà, je vous la montre. Les outsiders, vous voyez. Voilà, elle est tombée comme ça en fait. Et donc, en tout cas, les outsiders nous parlent en 5 de coupe, évidemment, de grandes blessures, de relations de vulnérabilité, de débuts compliqués et d'une nouvelle connexion. Alors, je vais continuer avec mes tarots, parce que là, je m'éternise sur mes cartes, mais bon, il faut quand même comprendre un peu pourquoi on passe de Barry Lyndon à Pretty Woman et est-ce que ça implique le champ du cygne pour un masculin? Donc en fait, c'est une personne en tout cas qui sort peut-être de relations multiples, hein, qui veut un peu, voilà, c'est l'histoire de ce film. Voilà, c'est quelqu'un qui en fait qui change sa vision des choses. Par rapport à des âmes sœurs. Il y a des gens qui pensaient que les relations avec certaines féminines, en fait, c'était comme un pacte avec le diable, hein, aussi. Hein. Il y a ça aussi. Enfin, en tout cas, il y a un pacte avec le diable, les masculins qui vous ont mis beaucoup dans la solitude. Beaucoup dans la solitude. Voilà, la déprime, la lassitude. Il y a quelqu'un qui a fui. Il y a quelqu'un qui était trop rigide, trop dans les blocages, trop dans le despotisme, trop dans le contrôle. Oula, ça y est, mes cartes sont tombées. Voilà, on va les mettre. Alors, là, on est sur la lune. Donc, en fait, on est sur, on va dire, la nuit noire de l'âme. On est en train de traverser ces illusions. Carte numéro 18, c'est que ça dit. Alors, je vais commencer. Donc, sur Barry Lyndon et sur Faust, on a la mort. Donc, très clairement, en fait, sur Impact, eh bien, on est en pleine transformation. On est en train de sortir de tout ça. On est en train de cheminer avec un manque d'argent, la solitude, la disette, un enlisement
la stagnation et c'est par rapport en fait à des âmes sœurs en fait et c'est par rapport à un déplacement. Donc là, on est en train de complètement transformer en fait sa perception de son âme sœur qui, voilà, vous étiez dans les illusions, c'est pour ça qu'on a la lune. Là, on est sur un valet de bâton droit. Hein, voilà. Donc en fait, c'est le dernier champ du signe. C'est une personne qui va. C'est une énergie en tout cas de bâton. C'est quelqu'un en tout cas qui arrive avec un projet, quelque chose de nouveau. On est vraiment sur un contrat. Voilà, un contrat qui. C'est par rapport à de la finance. C'est par rapport à de l'argent. Et c'est par rapport à une femme. Donc voilà. Donc c'est un homme qui. Mais c'est une énergie, le valet de bâton. Il y a quelqu'un qui pose un contrat. Voilà, il y a quelqu'un qui pose un contrat et c'est par rapport à une passion ou par rapport à un projet passionnant. Là, on est sur un 10 d'épée. Bon, bah écoutez, là, on est vraiment à la fin de l'ego. Ça, tout va tomber, les amis. Et c'est pour ça qu'on a l'exorciste avec le 4 d'épée aussi. Parce que en fait, les masculins, vous êtes une âme marquée par les relations sentimentales impossibles, et on va dire que jusqu'à présent, cette relation avec cette féminine, votre âme sœur en fait en l'occurrence, eh bien, était perturbée par les autres. Et donc, en tout cas, eh bien, ça va être la dernière leçon. Alors, c'est le dernier champ du signe, c'est la dernière leçon. Donc là voilà, en gros, vous avez fait beaucoup d'erreurs visiblement avec votre âme sœur, et là, ben c'est la dernière fois, et là, là il faudra pas se planter, hein, mes amis. Voilà, là on est sur un retour de flamme avec un 8 de bâton inversé. Donc c'est peut-être suite peut-être à de la communication, un 8 de bâton, c'est ça. Mais on va dire quand même que il y a quelqu'un qui est quand même, bon, la balance, on est quand même sur une personne assez intransigeante, en tout cas par rapport à un verdict que vous avez eu dans le passé. Voilà, en tout cas, quelque chose de beaucoup trop rigoureux, visiblement, ou quelque chose qui a été fatal. Et donc là, en fait, on arrive au bout, évidemment, le 10 d'épée, c'est aussi la roue du karma, donc en fait, on est en train d'écraser le karma négatif, on est en train de sortir de ces illusions. Voilà, il y a des gens qui se faisaient des idées sur quelqu'un, et en l'occurrence, il apparaît que c'était assez. Ouais, c'est assez faux en fait. Voilà, et c'est pour ça qu'on a la mort. Arcane numéro 13. Alors, sinon. 13. Donc 6 et 7, 13. Et avec le 3 de denier, ça fait 16. Donc en fait, on est aussi dans la lettre hébraïque Aïn, on est aussi dans l'œil et on est aussi sur la maison Dieu. Donc là, il y a quelqu'un en fait qui prend conscience de quelque chose par rapport en fait à peut-être une négligence intellectuelle ou tout simplement une grosse illusion sur quelqu'un. Et là, en fait, voilà, il y a des gens qui se sont totalement trompés sur une personne, en fait. C'est pour ça qu'on a l'exorciste, en fait, parce que là, en fait, vous sortez de votre illusion, de vos illusions. Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait un acte ou qui a dit quelque chose et ça vous fait sortir de vos illusions. Alors, ensuite, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Chakra numéro 3. Donc, on est dans même. On est. C'est, voilà, écoutez, on est dans même. Hein, on est dans l'arcane sans nom. On est dans Faust. Et en même temps, on est dans Zaïn. Évidemment, c'est la carte du 7 de denier. Tout ça est sur ma carte. Hein. Donc, en fait, c'est un homme qui est en pleine transformation, en transition, en passage. Ça concerne en fait une séparation. Il y a des hommes qui sont dans l'angoisse, vous êtes dans la réorientation, vous êtes dans les pertes, vous faites table rase du passé. Vous êtes dans la passivité, bien sûr, puisque vous êtes dans le silence. Zaïn, ça correspond aussi au chair, voilà, à la peau. Vous êtes dans la maîtrise du chaos, vous êtes
sur quelque chose que vous êtes en train de trancher, de couper, d'amputer. Et évidemment, ça va être un triomphe. Et vous êtes dans la transmutation du fou aussi. Voilà, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc, il y a quelqu'un, si vous voulez. Voilà, parce que j'ai quand même sur le 3 de denier, avec les contes d'Hoffmann, l'âme torturée, barbe bleue, quelqu'un qui a dans sa tête les oiseaux dans la charmille. Donc, ça fait déjà beaucoup d'oiseaux. Voilà, donc ça fait. C'est un peu. C'est, voilà, c'est quelqu'un qui. Peut-être a une certaine folie aussi. Donc en fait, la banqueroute avec Barry Lyndon, ça concerne une reine d'épée. Une reine d'épée par rapport à. Alors là, la carte est inversée. Donc là, en fait, il y a une personne qui est en train de sortir des manigances, qui est en train de sortir aussi de la méchanceté des personnes qui l'entourent. Et c'est par rapport en tout cas à un pacte que vous avez signé avec le diable qui vous a mis dans la solitude. Voilà. Donc là, en fait, il y a un homme qui est en train de nettoyer. Voilà. Et ça concerne en fait une femme ou un conseiller qui vous a fait du tort. Voilà. Et donc, en tout cas, il y a des masculins qui vont avancer dans une vie qui vont être motivés par l'essentiel. Voilà, il y a un pacte en fait qui vous a fait beaucoup de tort. Et c'est pas le pacte des âmes sœurs. Hein. Donc là, on est énergie cosmique coïncidencia. Donc en fait, il y a une coïncidence qui se produit. On est sur Chine. Donc en fait, on est sur la carte du fou, numéro 21. On est sur la destruction. On est en train de se consumer, de se transmuter. On a un éveil en tout cas sur une pretty woman. Donc en fait, on est sur de la coopération avec un nouveau contrat, hein, le dernier champ du cygne. On est sur une nouvelle rencontre, en tout cas. Voilà, vous attisez la, voilà, j'attise la flamme en moi. Vous êtes dans la réception, les masculins. Donc en fait, c'est une énergie physique qui se transforme en énergie psychique par la visualisation des plaies, hein, des plaies, c'est-à-dire de votre expérience du passé, et des pensées-formes. Donc là, on va dire, il y a un homme qui, par rapport à une illusion sur une femme, eh bien, vous allez être dans la réception. Et puis après, on a « prête-moi ta main ». Donc en fait, on va être dans la générosité, dans la donation, dans la prime, dans la récompense, dans la promotion, dans les cadeaux, dans le partage et dans les gains. Donc là, on est en train de quitter en fait une situation pour aller vers un partenariat. Voilà, et donc ça concerne en tout cas un éveil pour un masculin. Ça arrive, c'est une coïncidence, on va dire, ça vient de l'énergie cosmique. On est sur le fou, je veux dire, donc en fait, on est sur... pour ça qu'on a le valet de bâton. Donc vous êtes en train d'avancer sur quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Donc voilà, vous êtes dans le Kundalini, c'est le canal de la colonne vertébrale. Et donc là, en tout cas, avec le 10 d'épée, eh bien les masculins... donc là, c'est l'équivalent d'un 5 d'épée. Mais on est sur l'exorciste et la balance. Eh bien, vous arrivez à la fin des litiges, à la fin des disputes, à la fin d'une frustration. Ça concerne votre mental, évidemment. Et donc là, vous allez purifier votre mental. Et donc, quand vous étiez dans l'entêtement par rapport, en fait, à une perception que vous aviez sur une féminine. Mais vous arrivez au bout, c'était une illusion. Ensuite, bon, elle a voulu sauter. Donc il y a une personne aussi qui fait une croix peut-être sur sa mère. Le mort décide d'aller trouver sa mère. Donc en fait, on fait une croix sur une famille, sur peut-être une mère, ou sur une personne qui, pour vous, est la représentation de votre mère, les masculins.
parce que vous allez aller vers un avènement d'une nouvelle ère avec l'union de la force, de la beauté. Ça va être le temple de la sagesse. Il y a des personnes qui vont jouer d'un instrument de musique. Et donc, vous allez équilibrer évidemment le feu et l'eau, la lumière et l'amour. Voilà. Je vais en mettre deux sur la dernière, sur l'exorciste. Donc là, nous avons à l'envers la famille. N'aime pas que je parle, la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. Donc là, en fait, c'était une personne qui se bouchait les oreilles, voyez. Et donc, ce qu'on peut dire, vu que la carte est à l'envers, c'est une personne, en tout cas, qui est dans le blocage, ça c'est clair, qui se bouche les oreilles. Mais en fait, on peut dire que les personnes qui sont autour de vous, maintenant, vous vous en moquez un peu, les masculins, voilà. Alors, ensuite, ne donne pas plus d'importance à une chose qu'à une autre. Donc, en tout cas, par rapport à ça, on peut dire qu'il y a des personnes, en tout cas, qui vont partir de situation. Et c'est par rapport à une reine d'épée, par rapport à un conseiller aussi qui vous a fait du tort, qui était dans les Ménigances et la Russe. Et donc, là, on sent bien que, je vous dis, il y a des gens qui partent, voilà. Le mort décide d'aller trouver sa mère. C'est des gens en tout cas qui partent peut-être de situations ou de personnes qui représentent des choses importantes pour eux. Et en fait, vous leur avez donné, cher masculin, trop d'importance. Vous avez aussi écouté peut-être beaucoup de personnes qui étaient à la télé ou qui étaient connues. Ou il y avait pas mal de gens en tout cas qui vous espionnaient. Ou c'est tout simplement cette reine d'épée qui vous espionnait, qui mettait tout en œuvre pour arriver à ses fins. Et là, en tout cas, on est sur Barry Lyndon. Donc, en fait, on est sur... là, vous allez redevenir peut-être un enfant. Le kid, c'est peut-être aussi l'enfant intérieur. Et donc, par rapport, en tout cas, à une disette, on va dire, financière, une banqueroute, des soucis de déplacement, une solitude, eh bien, en tout cas, vous allez changer de crèmerie. Ensuite, on a à l'envers, papa habite à New York et maman vit à Shanghai. Donc, on a cette carte à l'envers. Ça veut dire que sur une femme, en fait, une féminine qui est aussi une âme sœur, puisque j'ai Péléas et Mélisandre en contre, il y a une personne, en tout cas, qui met... Il y a une histoire de distance, en fait, entre deux personnes. Ça, c'est clair. L'une est à New York, l'autre est à Shanghai. En fait, ça va être un peu ça. Je suis désolée, j'ai des guêpes partout là. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, vu qu'elle est à l'envers et tout ça, ça montre en fait que il y a une volonté, en tout cas, de rapprochement par rapport sur un projet. Qui est important avec un valet de qui débute évidemment, mais qui est important. C'est peut-être pour certains masculins, le champ du cygne. Voilà, ça vous sort peut-être d'une autre situation. En tout cas, ça va... c'est un peu les contes d'Hoffmann. Alors là, j'ai la nouvelle femme de papa dit qu'elle est ma maman. Donc, on va dire que pour certains masculins, on va dire par rapport à votre transgénérationnel ou par rapport à une personne que vous prenez pour votre mère, cette personne, en tout cas, vous a fait beaucoup de tort. On a un conseiller qui fait des manigances et qui est très rusé, en fait, autour de vous. Et c'est pour ça que rien n'avançait dans votre vie. À l'ouest, rien de nouveau, ça concerne ça. Et j'ai peur que maman et papa attrapent le virus. Je comprends que la vie est fragile. Donc, probablement, pour certains masculins, évidemment, avec l'exorciste, vous êtes probablement malade. Malade dans votre tête, malade du mental, puisqu'on est sur un 10 d'épée aussi. Vous êtes malade, évidemment, parce que vous vous rendez compte aussi que des personnes de votre entourage vous ont raconté des salades, vous ont dit que peut-être que vous étiez entouré de personnes très gentilles, très sincères, des super amis, Et là, en tout cas, vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, c'est la fatalité, c'est votre destin d'être entouré aussi peut-être de gens comme ça parce que vous ne voyez rien, vous étiez dans la lune. Et la lune, évidemment, c'est les illusions. Et là, en fait, on
il y a une grosse traversée du mental. C'est pour ça qu'on a l'exorciste avec le 4 de, d'épée. Alors, je continue. Alors, il y a aussi un autre truc, hein, parce qu'il faut lire les cartes un peu dans le... Voilà. En fait, il y a une histoire de coïncidence. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de coïncidence sur des voyages. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de partir dans un sens, et il y a peut-être une personne qui est en train de partir dans l'autre sens. Voilà, pour ça qu'on a Shanghai et New York. Et vu que la carte est à l'envers, c'est peut-être des choses qui vont se passer dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire sur un partenariat, on va dire financier ou voilà, ou par rapport à de la santé, tout simplement. Soit il va y avoir des gens qui vont faire beaucoup de déplacements, soit ça va être des personnes qui vont décider en fait de partir. Voilà, parce que bon, quand on habite à New York et que la personne habite à Shanghai, bon ben c'est voilà. Et donc ça ressemble à ça, si vous voulez. Salut. Allô. Ouais, ça va. Ensuite, donc en fait là, on est de nouveau sur la carte 59, le 5 d'épée. Donc là, on est sur... Attendez, je vois plus rien. On est sur la perte et le deuil. Donc en fait, il y a des personnes qui font un deuil ou qui ont une perte, soit par rapport à de l'argent, soit par rapport, c'est des gens en fait c'est par rapport à des âmes sœurs aussi. C'est par rapport à une personne, en tout cas, que vous preniez pour Pretty Woman. Voilà, et donc en fait, vous êtes dans la perte, en tout cas, de cette personne. Et je vous dis, il y a de la distance entre les gens. Là, on est sur un jeune garçon brun. Donc, en fait, on est sur une personne qui arrive avec son denier, son valet de denier. Donc, on a un valet de bâton, on a un valet de denier. Donc, c'est quelqu'un qui arrive avec un projet. Un projet, en tout cas, qui va transformer des relations de d'âme sœur. Voilà, il va y avoir une transformation parce que, on va dire, il y avait des masculins qui étaient beaucoup dans la solitude par rapport à des gens autour d'eux. Évidemment, on a vu ça avant, notamment un conseiller ou une conseillère, une femme qui les mettait dans la manigance. Voilà. Ensuite, alors 67, ça fait 13 aussi. Donc en fait, on est bien sur l'arcane sans nom. Donc en fait, ça correspond à une stratégie militaire. Là, on est sur un chevalier d'épée. Donc, en fait, on est sur une personne qui communique. La carte numéro 52, eh bien, ça correspond à 7. Donc, en fait, c'est vraiment un chemin initiatique, un chemin de vie, un chemin d'épuration. Et donc, en tout cas, c'est aussi des masculins qui étaient dans l'ignorance par rapport à un projet, à un pacte. Voilà, c'était par rapport à votre âme sœur. Vous étiez dans l'ignorance de votre âme sœur, en tout cas, que vous preniez aussi peut-être pour Pretty Woman. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est trompé, c'est quelqu'un qui n'a pas vu les choses telles qu'elles étaient. C'est quelqu'un qui n'était pas dans la réalité, puisqu'en fait, on l'a bien vu avec la lune, c'est quelqu'un qui était, qui ne s'est pas rendu compte. Là, on est dans la carte 66. Donc, en fait, on est sur la carte de l'utilité, donc avec, on va dire, un rééquilibrage karmique, avec quelque chose, en fait, qui a manqué, on va dire, dans le passé. On est sur l'épuration. On est sur un retour de flamme par rapport à quelque chose que l'on n'a pas pardonné. Ça concerne du karma négatif, mais comme on est sur la balance, on est sur un rééquilibrage karmique avec par rapport à une histoire de dépendance affective. Carte numéro 66. Et donc là, on a un homme qui arrive avec une bourse d'argent aussi. Alors, je continue. Bon, bah écoutez, il y a du monde là. Un garçon brun, un militaire. Et un chevalier de denier. Donc, il n'y a que des chevaliers, que des valets. Hein. Donc, en fait, on est vraiment au début du début du début des choses. Donc, en fait, on peut dire qu'il y a des masculins qui sont en train de sortir de leur disette affective.
par rapport en fait à un partenariat. Un partenariat qui va peut-être rapprocher des gens qui sont très loin l'un de l'autre. Hein. Enfin, je vous dis, il y a une personne qui est en Asie et puis l'autre qui habite à New York. Hein. Je veux dire, on est quand même très très loin. Hein. Par rapport en fait à un message. Hein. Le chevalier d'épée, c'est aussi un message. Et donc, en tout cas, c'est quelque chose d'utile. C'est quelque chose d'utile dans le sens où les masculins, vous allez sortir de l'inaction. Voilà. Donc, vous allez trouver que c'est utile parce que ça va vous sortir de votre enlisement. Alors, ensuite. Oui, évidemment, en dos, j'ai le chagrin et les malheurs. Donc, en fait, pour les masculins, ça va vous sortir de vos chagrins et de vos malheurs. Donc, ensuite, Barry Lyndon. Donc, en fait, bon, bah, écoutez, vous allez vers un succès en amour. Hein. Bon, bah, d'accord, il y a des gens qui ne sont pas réveillés. Donc, 15, évidemment, on est sur sa mèche. Hein. C'est par rapport à des dépendances affectives. Donc, là, en fait, vous êtes en train de trancher dans le vif. Vous êtes en train de trancher dans le vif pour aller dans le vif, évidemment, dans le vif du sujet. C'est vos dépendances sentimentales et affectives et sexuelles. Hein. C'est pour ça qu'on n'aurait pas Faust. Et donc, en tout cas, ça va être un véritable succès en amour de trancher dans ces dépendances affectives. Donc, c'est quelqu'un qui va tomber amoureux, en fait. Hein. Là, en fait, c'est intéressant parce que on a la carte de la vie conjugale à l'envers. Donc, il va y avoir, enfin, ça va être en plusieurs temps, peut-être une lettre, un courrier, un message. Ça va rapprocher des gens, en tout cas. Ça va être le dernier champ du signe, je vous dis, par rapport à, en fait, à un contrat, voilà. Un contrat par rapport à un projet. Et en tout cas, vous, les masculins, ça va vous faire sortir de votre façon de voir les choses, voilà, puisque la vie conjugale est à l'envers. Donc, en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, il y avait peut-être plus de relations, en tout cas, entre ces personnes aussi. Donc, en fait, il y avait peut-être une rupture aussi, voilà. C'est pas de la vie conjugale, c'est pas des trucs, c'est plutôt des trucs de bohémien, vous voyez. C'est plutôt des trucs, en fait, qui sont pas, on va dire, c'est pas des choses cadrées, c'est des choses un peu originales, qui sortent de l'ordinaire. Voilà, c'est pas des relations, on va dire, convenues. Et c'est pas des relations, on va dire, où il y a des trucs, voilà, c'est pas les relations sociales, il y a le pax, il y a le machin, vous voyez, c'est un peu le foutoir, là, cette histoire, aujourd'hui, en tout cas. Donc là, en fait, on est sur la personne, on a la personne principale avec l'utilité, le cheval de denier. Voilà, donc en fait, clairement, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, par rapport à une femme aussi. Voilà, il y a quelque chose qui était bloqué, en tout cas, par rapport à une féminine, les masculins. Il y avait quelque chose qui était complètement déséquilibré. Et là, en fait, avec le chevalier de denier, vous avancez doucement, ok. Mais vous avancez aussi par rapport, en fait, à vos illusions. Donc, étant donné qu'on est sur un 10 d'épée et sur l'exorciste, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de regarder les choses d'une autre manière. Dans le silence, mes amis. Bon, il y a peut-être des femmes, c'est des flash dance ou des pretty woman. Et il y a peut-être des masculins qui ont fait beaucoup d'erreurs stratégiques aussi. C'est pour ça qu'on a le militaire. Par rapport à leur vie conjugale aussi. C'est des gens qui projetaient des choses, on va dire, sociales. Hein. Vous étiez dans votre orgueil et dans vos préjugés, hein, pour pas dire autre chose, hein, dans votre bêtise. Et puis là, en fait, des choses sont en train de se transformer avec la lettre hébraïque même, carte numéro 13, et Zaïn, qui correspond au chariot et aussi au chiffre 7. Donc voilà, ça, on va dire que ça va faire avancer les choses. Ensuite, là effectivement, on est en dos sur un 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, évidemment, c'est l'union, hein, et c'est bien droit, c'est l'union, en fait, du côté féminin et du côté masculin. C'est peut-être aussi l'union de votre mental,
2, c'est aussi Bess, la lettre hébraïque. On est sur la papesse et sur la prêtresse. Et on est sur l'unification. Enfin, j'espère qu'ils ne vont pas faire trop de bruit. Donc là, on est sur le 3 de bâton. Voilà. Je vous montre. Le 3 de bâton, donc, mais il est inversé. Hein. Donc en fait, on est quand même sur quelque chose de passionnant, quelque chose qui brûle, sur peut-être des gens qui sont en train de mettre en place, en tout cas, un projet. Bon, il y a 3 personnes. Mais là, on est à l'envers. Donc, en fait, il y a peut-être aussi des gens qui sortent d'une situation où il y a 3 personnes. Là, on est sur la mer de Denier, mais elle est inversée. Donc, en fait, bah, il y a des gens qui se barrent du paysage. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on avait la vie conjugale à l'envers aussi. Donc, il y a quelqu'un qui, on va dire, qui laisse une femme à la maison. Voilà, c'est une stratégie parce qu'il y a un... Bon, il y a une pretty woman, hein, mes amis. Hein, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui part d'une situation conjugale, on va dire. Ensuite, on est sur, sur la carte le 2 de calice à l'envers. Donc, vous étiez bloqué par rapport à une âme sœur ou une femme jumelle. Mais en l'occurrence, c'est Péléas et Mélissande aujourd'hui. Donc, ça concerne les âmes sœurs. Et donc là, il va y avoir en fait un dévoilement, un rééquilibrage karmique en tout cas, par rapport à une âme sœur aujourd'hui. Ensuite, voilà. Voilà. Elle est tombée toute seule, je la mets tout de suite. Désolée pour le bruit, là, c'était pas prévu, mais je me suis levée un peu tard. Je me suis levée un peu tard. Alors, on a en dos. Déjeuner en paix, Stéphane et Cher. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Je souffle sur la braise, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle me regarde à peine, plus rien ne la surprend sur la nature humaine. Donc, clairement, effectivement. C'est par rapport en tout cas à une âme sœur. C'est par rapport à une âme sœur en fait. Les nouvelles sont mauvaises. Voilà. Les nouvelles sont mauvaises évidemment puisque vous êtes en train de traverser vos illusions. Vous avez fait en fait un parcours qui est un parcours qui n'est pas très bon on va dire pour certains. Donc là en tout cas par rapport à l'arcane sans nom, on est en apesanteur avec Calogero. Et par rapport à une âme sœur, sa voix me fait quitter la terre ferme. Tout se mélange, je suis en tête à tête avec un ange en apesanteur. Pourvu que les secondes soient des heures, j'ai le cœur juste au bord des yeux. Je sens la chaleur d'un autre langage. Oui, bah oui, vous sentez la chaleur de l'amour. Hein. Donc sur Pretty Woman et sur le dernier chant du cygne, à ma place avec Axel Bauer, serait-elle à ma place plus fort qu'un homme au bout de ces impasses où elle m'abandonne, vivre l'enfer, mourir au combat, faut-il pour lui plaire aller jusque-là, seulement que tu m'aimes pour ce que je suis. Voilà, bon bah écoutez, c'est un petit peu ce que pensent certains masculins aujourd'hui. Et sur l'exorciste et la balance, très beau film d'ailleurs, on a France Gall, des branches. Il y a quelque chose entre nous, quelque chose qu'on aime. Mais si tu veux me dire ce que tes yeux veulent me dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Des branches, tout, revenons à nous. Le monde tient à un fil, moi je tiens à mon rêve. Donc en fait, c'est une personne en tout cas qui tient à son rêve. Et on va dire avec le 10 d'épée, eh bien, certains masculins s'en rendent compte. Et en fait, il y a peut-être aussi des masculins qui avaient débranché la prise, voyez, par rapport à une féminine. Alors, je ne suis pas un héros, balavoine. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme. Elle me crie qu'elle m'aime, mais dont je ne sais rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fatiguée. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Donc, ça concerne peut-être des personnes qui sont connues ou qui apparaissent dans les journaux. Alors, on va faire les petits animaux. Les petits animaux, après ce parcours, en rebondissement, hein, y a des gens vraiment qui tombent de leur chaise aujourd'hui, hein, je peux vous le dire. Hein. Dans plein de domaines. Hein. Hop, oh ben là, j'en ai tiré plus que... Bon,
On va faire comme on peut. Hop. 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 Et hop. Bon, mais il y en a deux par carte. Voilà, puis après, je ferai ça. Alors, on a sur Barry Lyndon et sur Faust, on a le flamant rose. Toujours le flamant rose. Mais on a aussi la girafe. Donc on va dire qu'un homme, bon bah d'abord se fait beau, il est dans l'amour, il est dans les sentiments, il est en train de traverser la nuit noire de l'âme, il passe un bon moment. Et en même temps, ça concerne aussi quelqu'un qui est en train de regarder beaucoup plus loin que ce qui se passe en ce moment. Voilà. Où il y a peut-être, en fait un message ou une féminine, une âme sœur qui va regarder les choses beaucoup plus loin. Peut-être jusqu'en Afrique, en tout cas, puisque nous avons la girafe. Voilà, où il y a quelqu'un, je vous dis, qui a une grosse montée de Kundalini, et puis bon, bah, il faut un long coup pour voir les choses. Mais moi, ce que je sens, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'avoir une vision, qui est en train de se projeter dans l'avenir, et comme on est sur fond gris, évidemment, c'est une vision qui concerne un aspect pécunier. Sur Pretty Woman et sur le dernier champ du cygne, bon, alors, on a quelqu'un qui se déplace, déjà, avec... avec les pattes d'ours. Donc c'est sur fond vert. Donc en fait on est toujours dans le chakra du cœur. Donc il y a un déplacement par rapport au chakra du cœur. Et ça concerne un petit nounours blanc. Voilà, qui est sur fond rose. Donc un masculin qui se déplace par amour. Alors ça concerne... alors il y a une chose, c'est ça concerne la prospérité, hein, puisque en fait on est sur des pattes d'ours qui se déplacent. Et avec le petit ours blanc, c'est peut-être aussi quelqu'un, une féminine qui peut être assez doux ou un masculin en tout cas qui va être assez délicat, on va dire. Et les pattes d'ours, je vous dis, ça concerne en tout cas de la fortune, de l'argent, puisque l'ours en fait c'est ça. Et c'est quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de force. Hein. Voilà. Et ça peut surprendre. Alors là, avec la balance et avec l'exorciste, bon, bah écoutez, vous passez des pattes de canard noires aux pattes de canard orange. Donc c'est sur fond vert et sur fond bleu. Donc en fait, vous passez de vos émotions aussi à votre cœur ou du cœur à vos émotions, au chakra de la gorge aussi, hein, les émotions c'est le chakra de la gorge, et vous passez en fait d'un vilain petit canard noir ou peut-être d'un mauvais plan avec Faust, hein, puisque en fait on a des pattes noires, à on va dire des choses qui sont en train de pousser, qui sont extrêmement créatives. C'est le ciel bleu et c'est très utile. Alors mes marqueurs. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je finis. Alors, hop, hop et hop. Donc, on est dans le cœur avec les masculins aujourd'hui. On est sur sur des préjugés, on est toujours sur de l'héritage avec du transgénérationnel. Et là, en tout cas, ça va être très fécond. Voilà, il y a une histoire de fidélité. Il y a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que finalement, le luxe lui est superflu. Et peut-être que les masculins, soit vous allez devenir un aventurier sans fortune, soit en tout cas, vous allez totalement changer votre façon de vivre. Alors, sur le flamant rose et sur la girafe, nous avons la subordination et la fidélité. Voilà, il connaît ceux qui l'ont trahi, un gros désintérêt pour les mondanités. Et donc, en fait, c'est une personne qui va faire son devoir. Et c'est une personne qui aura confiance. Voilà, parce que cet homme sera dans le désir de la création et des émotions. Alors, avec le petit nounours blanc sur fond rose, tout doux et tout beau, on a la lucidité, on a l'intellect, on a la consolidation. Je vous dis, il y a une personne qui a de la force là. Ça concerne la pensée, évidemment.
De la consolidation naît de la compréhension. Donc en fait, il y a un homme en tout cas qui va se rendre compte pourquoi évidemment il est malade et pourquoi il a été successivement dans les échecs. C'est quelqu'un qui va honorer un engagement peut-être passé, c'est peut-être un engagement par rapport à de l'argent. Et ça concerne Pretty Woman. Là, on est sur Bina, carte numéro 22. Donc, en fait, on est sur un achèvement, on est sur la couronne et on est sur un projet international. Ça concerne un homme qui est célèbre ou une personne qui va devenir célèbre ou de la célébrité. On est sur une émanation. On est, par rapport à un masculin, un domaine où vous consacrez vos efforts. L'exorciste, évidemment, avec le 10 d'épée, évidemment, c'est par rapport à un projet qui vous est très utile. C'est par rapport à une femme et c'est par rapport à un blocage ou par rapport à des choses qu'on vous a mis dans la tête qui étaient fausses. Donc là, vous êtes en train de passer par l'exorciste par rapport à ça. Donc en fait, vous faites une découverte, c'est une idée philanthropique. Et donc en tout cas, alors, il y a une chose par rapport à certaines personnes. C'est que autour de vous, en tout cas, il y a une personne qui veut profiter de vous et de votre argent. Et donc, en fait, il y aura en tout cas un voyage malheureux. Mais moi, ce que je sens, c'est plutôt quelque chose qui s'est passé dans le passé. Parce qu'en fait, en contre, j'ai la dernière leçon. Et donc, en tout cas... Ouais, la dernière leçon par rapport à une personne principale. Donc en fait, il y a un retour de flamme. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui va payer une dette karmique aussi, parce que c'est une personne qui a profité peut-être d'une féminine. Voilà. Et c'est peut-être aussi une personne qui est en train de fuir. Fuir ou peut-être c'est une féminine qui est dans des voyages et qui vous a mis dans le chagrin et dans le malheur. Bon, là c'est un peu plus flou par contre. Je vais prendre et ça concerne oui, il y a une personne peut-être qui était superficielle, qui a profité de vous. Mais c'est pas la même personne que la personne que je décris là. C'est qu'en fait, il y a des masculins qui sortent de situations, je vous dis, avec des reines d'épée, avec des personnes en fait qui prenaient un peu pour leur mère. Vous voyez, il y avait des grosses projections affectives et sentimentales. C'est des gens qui n'avaient pas mis leurs lunettes, vous voyez. C'est des gens qui avaient les yeux bandés, vous voyez. Et en fait, c'est ça. Et en fait, puisque vous aviez les yeux bandés, les masculins, vous étiez dans les illusions, eh bien, beaucoup de gens autour de vous ont profité de votre argent. Et il est possible aussi que ça concerne des voyages malheureux. Hein. Peut-être en voyage, en fait, on a essayé de vous escroquer, vous voyez. Donc, il y a des choses comme ça. Ou c'est peut-être avec des personnes de l'étranger ou voilà, parce qu'on est quand même sur la carte 8, donc en fait on est quand même sur des trucs de justice aussi. Voilà. Alors, hop. Donc là, en fait, on a la carte du retard inversé. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas du tout en retard là, qui est en train de courir. Donc voilà, ensuite ça concerne donc quelqu'un qui est en train de se on va dire c'est avec des animaux. Donc en fait c'est quelqu'un qui soit est entouré d'animaux, soit en fait il y a un projet que vous faites autour d'animaux, ou ce sont des masculins qui par rapport en tout cas à des animaux en fait ont fait un mauvais pacte. Voilà, enfin il y a un truc en tout cas avec des animaux ou peut-être c'est un accident par rapport à des animaux.
Là, de l'autre côté, on a création personnelle, mais elle est inversée. Donc très clairement, en fait, bon bah, ce sont des personnes qui vont être en tout cas dans la création personnelle, mais pas maintenant. En fait, on peut dire qu'il y a des masculins, vous n'êtes pas dans la création de votre vie, hein, vous êtes en plein marécage, en eau stagnante, justement, parce que en fait, la création va venir de votre âme sœur. Hein. Et là, on va dire avec les animaux, il y a des histoires de maladies aussi, ou d'accidents. Donc, on va dire que sur un 3 de denier, le dernier champ du signe, là, en fait, on a des blocages par rapport à de l'opportunité. Donc là, en fait, on va dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Il n'y avait pas d'opportunité pour un masculin par rapport à sa vie conjugale. Il n'y avait pas de créativité. Il se passait rien. Et là, en tout cas, vous allez être dans la lucidité, hein, évidemment. Et ça concerne, en tout cas, des tromperies, de l'adultère et aussi peut-être de la vengeance, comme on a vu hier. Hein. Et donc là, on a une relation de flamme jumelle. Et donc, il y a une personne, un masculin en tout cas, qui pouvait être jaloux ou qui pouvait être entouré de personnes jalouses qui empêchaient probablement la relation avec une femme ou une féminine ou un féminin. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on parle des relations donc flamme jumelle et âme sœur. Voilà, ben, c'est fini. Je vous dis à demain.